Bonjour, bonsoir tout fanatique Haïti Media On, dépendamment de l'air ou regardé émission si là. Ancien président Matéli Tosa, li gen une cigarette qui li met dans deux pointes depuis après pays Canada fin sanctionnel dans question la financer gang, li nan blanchiment d'argent, li nan corruption, li nan kidnapping pour me citer ça au simplement. Mouché a te couri sous tête, rentré dans pays d'Haïti. Mettez sécurité en disposition par les billets des chefs du gouvernement qui étaient pris disposition pour protéger mais pour sécuriser Mouché Matéli. Ben selon information que me gagne dans Jacout moi là, selon information mes chers amis que yon zanmi partage avec moi et m'bral bon nos amis hein, est-ce que vous comprenez? Eh bien Matéli mes chers amis, li pata dans pays d'Haïti. Vous entendez? Après que yon fin jouen mouche ya nan connivance avec un paquet bandi nan pays d'Haïti qui se big boss yo, mouche a te quitté États-Unis d'Amérique pour rentrer la kaili nan pays d'Haïti. Mais semblerait-il que rentrer la kaili la, c'est pas pour te venir régler question, on prend sanction qui sous do lyo, mais gè laisse chercher, mouche a chercher un coin pour le rentrer pifon pour permettre que nèg yo pa jouen ni. Si toutefois, yo ta vin ap chachel après sanction si la yo. Ça fait me dit ça parce que selon information que Chantal Eli li publié sous compte Twitter, Chantal Eli mes chers amis, c'est un monde qui en pile haïtien ap suivre sous réseau qui toujours ap bay quelques éléments d'information et bien le fait qu'on est li apprend que puissant gangster qui c'est Matéli qui t'est retourné dans le pays d'Haïti, après avoir fait une sanctionnelle, après le pays Canada, tu fait une sanctionnelle, et bien, Mouché a quitté le pays d'Haïti dans le moment où je parle avec nous là pour lui aller à Panama. Parce qu'il dit qu'il ne sentit pas en sécurité après nous fin cité dans le Kachouboumbe, ça, mes chers amis, qui c'est financement des gangs armés à travers le pays d'Haïti. Qui donc Mouché Matéli pata dans pays ya, monsieur ta rendi dans pays Panama nan moment m'a parlé avec nous là. Si toutefois ou ap chercher ou pa wèl ou alan ou pa wèl ou descend en bas ou pa wèl ou gade nan mitan ou gade tout au monde aux alentours ou pata trouvé ancien président pays ya Michel Joseph Matéli, selon Chantal M.Eli ni fait connait selon on source qu'elle fait confiance, eh bien Mouché ya l'état déjà dans le pays Panama. Est-ce qu'elle a le serré parce qu'elle dit pas sentir en sécurité dans le pays d'Haïti? Bon, on pas sentir en sécurité dans le pays d'Haïti ou t'es quitté États-Unis d'Amérique, peut-être là au moins t'es capable de sentir en sécurité ou quitter tout de suite après une cité non dans question gang dans le pays. Et gonz ami qui dit là Canada partage Freddy qu'elle gagne dans mouvement avec Haïti parce que c'est pas des broches à bras, c'est pas des autobrés là qui pas trembler coup effet bois. Vous mettez 25 laine dans baga fanyen pour ça. Et ou konn sak drôle là, tremblement ça journée jodi a que gros chabak ça yo gagnent suite avec sanction que pays Canada mette de won sous do yo. Ou konn ki est on capable dire ou konn ki meilleure solution tremblement ça pendant un petit temps. Papier hygiénique, ou lié tonton. Et pas des papiers négro pas acheter dans moment non, comprimer l'opéra c'est pas parler mes chers amis. Moi m'a dit ça clair, journée jodi a m'pense que bon, j'aime toujours dire tout autant tête là pas couper faut nous gagner soit mettre chapeau en bonjour. Peut-être c'est ça qu'a fait dans moment là. C'est volte face ça qui a fait mais comment c'est fait au niveau international et m'pense haïtien ou gagne pour comprendre. Ou imaginez, m'a dit ça clairement en tant que tu négant tu prête là dans moment pays Canada qui sont gros pays qui on prend qui chita sur état de droit qui sont pays on prend qui vraiment structuré qui gagne la loi côté la loi appliquée et respectée. Yo prend une décision suite avec quelques documents qui te on prend yo bien tu prêté yo joine un paquet broche à braque haïtien un paquet politicien haïtien qui n'a question gang en Canada fin sanctionné après ça nous ouvrir bras nous pour recevoir nèg ça dans pays nous monsieur nous sérieux. Et ou va louer la gagne avec des sanctions ça que pays Canada ba ou là. Yo va tout créer un petit, ça pas zanmi dit, tout ça pas tout parler, mais journée jodi à Canada metton dans même panier, yo va obliger font faisceau, mais mon parti politique yo ka monter oui. Parti on bon haïtien sanctionné par le Canada. Et son bon yo ka mettre ça là, son tande ya là, on bon yo ka devant dans élection pour venir dans pays yo là oui.
Et première fois mou on peuple passif comme ça, là pas même passif non, on peuple qui mort là l'école mozo. Est-ce que vous comprenez? En tout cas mes chers amis, c'est information qui s'allie, c'est madame Chantal Mouche Mateli ta qui te pays d'Haïti pour le rendre dans pays Panama parce qu'il fait qu'on est malgré tout policier ça yo, tout agent sécurité ça yo que Ariel Henry mette aux alentours de Prébréa. Et bien mes chers amis, Mouche a li pas senti en sécurité, li obligé à jeter col plus loin si toutefois nèg wap mettre un mandat international derrière pour rentrer en côté peut-être dans côté là li a peut-être non ghetto. A dit oui monsieur, devant pas tourner derrière caille. L'autre détail, l'autre information gagné Maurice Jean-Charles malgré ou tendez on va quelque gros auto pour prendre frappe dans politique là, même monsieur gèlè peut-être yo défaité tout fait yo gèlè pas wè non, selon information qui me gagné. Et bien, dans un tweet, Mouche a li salier pays la Russie. Le fait qu'on est peuple haïtien, remercier pays la Russie pour respect li toujours montré pour nous à l'histoire nous. La Russie c'est premier pays qui te reconnaît indépendance nous en 1821. Et puis c'est premier pays en Europe qui te forcé l'autre état développer commerce avec l'île d'Haïti. Merci la Russie pour son solidarité, nous pas jamais oublier ça. Ambassade la Russie. Ça c'est Maurice Jean-Charles, leader plateforme petite de Salinan qui voyait big up ça, qui voyait au chance à mes chers amis pour pays la Russie. Et m'a rappelé nous dans dernière manifestation qu'a fait tout là, n'a regardé y a passé drapeau américain en papier et y a hissé drapeau la Russie. Est-ce que ça va vouloir dire un bagaille? Oui, ça veut dire qui choy. Est-ce que n'a pas on bagaille comme ça, li pas facile. Si au moment l'a regardé sur le plan diplomatique, ça pas facile du tout, même penser gen moun là qui li nan til fin k'ap comprendre. Ça me so di à là mes chers amis, c'est vrai. Ma majorité population haïtienne n'en pense ou bien prévoit, c'est celle-là ici ka ou eten nan impasse difficile que n'a traversé ya, mais peut-être tout c'est capable bien compter mal calculé. Là si t'a bien aimé vini, mais dommage pour gens nous t'échappanté. On prend un rapport diplomatique nous yo, ça ka arrivé route la anti gens trop longue pour ta pilil. Baga la compliqué. L'autre détail, l'autre information mes chers amis, pays d'Haïti. Chaque jour c'est drame sous drame. Matin la bien bonnet, moun nan zone Santo 15, yo levé joine trois jeunes garçons à terre. Gen ki maré, mes chers amis, on ban yo joine nèg yo pa gen vie la dan. Trois jeunes ti garçons. Et selon moun nan zone yo fait konnen, kadab sa yo, yo arrivé nan zone nan vers environ 3h nan matin. Ça c'est sous qui nous capable de faire confiance et habitants zone là qui ba nous détaille ça mais le pas en mesi pour t'a dit qui ça qui cause là mon exil là est-ce que tu gain on dispute qui t'a fait dans moment il dit seulement ça le connaît cadavre ça mes chers amis yo a été là depuis 3h du matin et dans moment te recevoir information si là pour que gain juge de paix qui te pour venir faire constat même pas connaît est-ce que gain temps on bon yo gain temps venir là pour lever cadavre si là yo mais m'a dit ça clairement. Jeune garçon qui droite. Jeune garçon, au bon qui peut mettre kembe tête pour pas tomber dans quelque série de malpropreté, fait en pile prudence. Parce que journée aujourd'hui, à pays d'Haïti pas propice pour moun ta vivre là-dedans. Même reprend ça me dit là. Pays d'Haïti pas propice pour moun ta vivre là-dedans. Mais peut-être ou pour gen moyen même pour ta mettre moment pour ta faire un passeport, pour ta coucher un passeport parce que tout le passeport alors ka gon espoir en visa ka tomber sur n'importe quel moment, ou obligé à faire résistance. Mais on fait résistance avec bon comprendre. On fait résistance là, vous comprendre avec bon tête, mettez tête nous sous épaule. M'a parlé là pour jeune garçon qui pas dans rien qui louche dans pays d'Haïti. Bon quitter dossier ça, bon entrer dans dossier Saint-Domingue avec Haïti. Est-ce qu'on connaît André Michel et Majorie Michel, ils ont fait un coup de pied la caille ambassade dominicain dans pays d'Haïti qui c'est Miguel Castillo, hein, ils ont la caille. Yo ta al bal on visite de courtoisie en même temps. Yo te tout font ti chita parler. On bon non, te konti on ti discussion qui dure puisque 1 heure de temps pour te parler sur question déportation massive que immigration dominicaine a fait pays d'Haïti en même temps. Yo te mandé comment on capable faire pour ta essayer stopper ou bien diminuer immigration ça qu'a fait là. Mais yo te pas en pile causer pour Miguel Castillo le fait qu'on est ça li capable toujours fait, mais il faut que gen yon président, il faut que gen élection qui organisé peut-être les ça a gagné yon autorité qui joine et qui alors qui légitime
qui sorti à travers des élections et me penser capable gagner un couloir à partir de là qui capable créer pour joindre une principale entente entre pays Saint-Domingue et pays Haïti sous question déportation si là peut-être capable gagner un deal qui est capable joindre. Mais en moment nous n'avons aucune autorité qui légitime son autorité. C'est un gouvernement de facto à travers un tweet que le groupe a créé qui mettait mouché Ariel Henry là. C'est ça qui fait ouais Ariel. Il n'y a pas qu'à parler. Au lieu de parler, ouais, ça qui fait. C'est où il devait servir Colin. Nous sommes j'ai porté un petit cadeau pour le président dominicain. Est-ce que vous comprenez? Il était porté cadeau. Et dans le moment, je parle avec nous là tout. Président Luis Abinader, il y a une réunion tête à tête. Ensemble avec et responsable immigration dominicaine là, ensemble avec comprend ministre et défense pays oui, par contre qui ça cap dit bah, parce que les plus souvent même sous temps il y a parlé des étrangers pas légal mais cible là par l'autre qui haïtien, c'est comme ça qu'il toujours est ou même cap tendez message ici là ou même qui branché plateforme Haïti Media on ou tendez toute information sur gonz ami en famille l'autre bois allez tel ça pour faire plus prudence allez même n'ab dinza charger moun ki illégal ki e ke sak légal même sak légal yo 30 jours après ou illégal nda toujours aimé nous rete en 4 minutes parce que retourner là nan l'enfer ça côté toute condition réuni pour faire haïtien quitter la caillou parce que c'est ça gouvernement prôné m'obligé citel m'ba ta remonter sans en bas yo rele m'ti nèg en tout point là voie information ils sont crime de haute trahison hein? Faut nous comprendre. Depuis nous allons rentrer dans des masses de les jours à venir. Et pour question élection, en plus on dit son bon coup de balai, hein? Un bon coup de balai en ce sens que on sait de monde là, automatiquement nos cités, nos séries de dossiers qu'on s'en devait y a, il y aura de moins en moins légitimes pour participer dans n'importe quelle élection qu'on s'en devait y a. Mais attention, si pas aucune décision de justice qui sorti. Comment pour faire dire au baguette de bâtisse sous des simples sanctions internationales. Bon, moi, il est aussi simple entre guillemets, mais à n'importe quel moment, il est capable de renforcer ou à de l'autre action. Vous comprenez? Mais ce n'est pas aucune décision de justice. Hein? Loi électorale, peut-être qu'il peut faire élection comme ville là-haut. Si on va mettre des balises à. Parce que jusqu'à présent, c'est des présumés. Oui, c'est ça qui fait nous demander implication la justice haïtienne dans le dossier. Parce que là, même j'ai des gens qui prennent des sanctions contre eux, retirer visa. Après, ça rejoint visa encore. Ouais, ça arrive. Il y a des gens qui prennent des visa, qui retirer visa. Et puis, c'est pas sanction au tribunal. Il y a des gens qui étaient dans l'opposition à Jovenel Moïse. Mais t'as frappé Jovenel Moïse, il a été retiré visa, ou quand vous venez retourner dans Ariel là, il va au visa. Suivez mon regard. Oui, ça fait me dire, on se leur, est-ce que ce visa, ça c'est pour moyen de chantage, pour moyen de pression, tout, pour permettre que Négio soit tempo ou bien ou changé quand. Parce que international, il y a des amis vrais. Et tout le monde qui fait diplomatie connaît ça, c'est Béaba, la question de relations internationales. Pays disant mon basan mon livre religieux ça défend intérêt par quoi si coopération lien à vola il pas intérêt là dans l'intérêt pas garanti bon garanti il pas poursuivre il pas faut qu'un effort pour améliorer donc ça veut dire jodi à là même Ariel Henry ouais qui semble gagner un support jugé indéfectible du blanc à n'importe moment où blanc a mis le dos au mur Ariel Henry pas pour une garantie non. Ouais, je dis à la, ou senti blanc avec. Demain matin, pas étonné, tout le monde pas besoin d'abord. Blanc a les dossiers, Jovenel Moïse a voulu. Blanc dit, attention, là, je ne pas trop battre quoi, là. Nous t'es cité, là. Nous gagnons les mains dans nous. Comme je dis à, il est au service du blanc. Comme je dis à, il est au service de la communauté internationale. Donc, blanc faut poser sous ça. Blanc fait manger sous ça. Eh bien, c'est presque le même scénario. Qui n'est qu'à faire politique, là? Qui n'est qui très actif dans la politique, là? Depuis ces 20-30 dernières années, pour blanc, il n'y a pas de gloire en yo. Monsieur Dim. C'est désolé de parler comme ça d'un pays souverain, mais souverain sur papier. Parce que toutes les grandes décisions de ce pays, elles sont prises à Washington. Il va pas sauver la dedans. Ou bien au niveau du Congo, ou bien au niveau des ambassades du Caïman. Oui, ça veut dire blanc, les mêmes, il n'est pas innocent dans sa nappe vivre. Jamais, mon cher. D'ailleurs, qui est-ce qui demande? On secrétaire général qui s'est quitté. C'est Almagro, non? On autorité qui t'a dit que. Il regrette. Oui, qui était du regret. Lui, ça va diriger. Almagro a dirigé. Oui, il défend à vœu. Oui. Il défend à vœu, puis il dit. Et il n'y a pas quitté Haïti
décider de propre destin. Mm-hmm. Donc c'est blanc qui a dicté. Mm-hmm. C'est ça que fait moi-même pour me conclure. Si effectivement blanc veut ban nous en coûte même. Oui, sanction est important, sanction est important. Au contraire, ça a commencé à affaiblir monsieur. Mais qu'on y a là, faut blanc tout, même si c'est dans le niveau pâle, comme les gens ne vont pas intervenir direct dans la question de justice haïtienne. Mais dans le niveau pâle, faut traîner aussi à la justice tout. Si pays Canada, parce que n'exa yo gen l'argent l'autre bois, n'exa yo yo gen bien l'autre bois. Et bien si pays Canada vle ban nou kout men, si les États-Unis vle ban nou kout men, vrai, initions on procès. Vous comprenez? N'exa yo même constitué avocat yo, j'ai annoncé ya pour y aller défendre tête yo. Qu'on y a bonne décision de justice qui sorti ou bientôt mettez preuve ça yo dans cadre entrée judiciaire là à la disposition de la justice haïtienne. Pour la justice haïtienne saisie de dossier a, pour poursuivre monsieur Sayo pour y aller dire qui ça connaît sous accusation yo qui pèse sous de yo à savoir financement gang corruption blanchiment activité criminelle dans le pays a. Parce que c'est trop facile jodi a là pour mon a moui gang passe par là et puis chaque monde yo dit qui est impliqué pour mon dire par la gang. C'est trop facile mon cher. Donc c'est là ça qu'on y en a parlé. On a parlé des bons coups de balle qui fait là pour l'élection qui vient là. Il y a un pile monde qui croit que bon paquet de mauvais anguilles n'a pas capable de mettre sous côté. Il est ça nous capable de commencer à faire une nouvelle classe émergente. Même ça, je dis, ah ben, y a vraiment. Oui, y a vraiment. On sait le tige, je vais récupérer, guerrier. On dit la décision qui sortit là contre l'exaio. On a parlé de décision de justice. Et bien l'exaio, il n'est pas calé dans l'élection. On sait une des jeunes là, peut-être l'un de ces jours, on a parlé sous ça, qui intéresse pour venir candidat ou bien pour aller dans l'élection, etc. Les jeunes ça vont plus là au parc avec nous, guerrier. Même j'ai avec yo, quelqu'un là qui bon poste ministériel non mais il va pas arrêter tête. Moi même moi son jeune garçon tout, moi j'ai des aspirations mais m'a pas la voix là. Non là c'est Il y a un terme de plaisanterie. Donc, monsieur Sayo, on imagine une situation où tu as gagné des décisions de justice qui sont contre vous. Donc, ça a venu retirer droit et politique. Donc, probablement, il n'y a pas participer, il n'y a pas capable de participer dans la prochaine élection qui vient d'un pays. Donc, il y a plus de possibilités pour gagner une nouvelle classe politique qui émerge d'un pays. Pour gagner de nouveaux leaders qui émergent d'un pays. Donc, c'est le moment pour des jeunes garçons, des jeunes femmes, lui impliquer davantage. Ok, non politique pays a pour être capable d'investir en série de espace décisionnel. Mais moi je dis qu'on s'attend tout. C'est pas parce que depuis mon jeune, lui obligé gain bon sentiment, gain jeune garçon, jeune femme là qui puis vont les passer n'exagère. Mon cher, ça me d'avoir dit classe politique que nous gain depuis 1986-87. Classe là. Li ki ton mauvais héritage nan politik isi. Parce que bon paquet jeune moi kap vin la, yo de fwa pi mal parce que sa nou te gen. Reprenne samedi, regardez, reprenne pou samedi a, yon de jeune la ki enterese a la politik. Ça m'a les cracher sous place ça que m'a donné qui puis voler vas-y. Le puis maton. Ah bon je. On fait l'obéi. Les jeunes gars sont des jeunes femmes sous pas au pays à jodi à pour faire un jour pour voir ouvert jour au pays. C'est ça oui, les générations spontanées. Le modèle et jeune ça au gain c'est ça lié là donc il y a pas gain l'autre référence. Donc il y a une possibilité pour racheter autant parce que avec ça gain là. Si vous voulez reprendre et changer fusil d'épaule, je pense que vous êtes capable avant le pita pour changer. Donc, on a une stratégie pour fonctionner. Donc, moi, dans la réaction à la mort, là, c'est comme s'il retirait la tête, mais il plongeait le régime qui a fait partie. Mais il dit, pendant que là, les saletés fait. Et c'est raison ça même qui te fait chasser du pouvoir. Mm-hmm. Donc, qui est-ce qui te fait chasser du pouvoir? C'est le monde qui est nommé là. Donc, tu retires tes têtes et puis le plonger et régime dedans. Donc, et la France, c'est même tout ça. Donc,
ensemble de partenaires, je ne sais pas si la France a pas dérivé la donne, mais pas dérivé mais ensemble de partenaires et ils ont dit à essayer de convaincre pour capable de rentrer dans la même logique. Par exemple, à Etono, où est la Dominicanie ou la Dominicaine. Il faut rentrer dans la logique que Nexa n'a pas mis des points de pied au l'autre bois. Okay. Que Nexa... Si Nexa n'a pas mis des points de pied au l'autre bois, c'est Dominicanie. Il était mort là. Trahi la mouille. Il y a pas trouvé une situation là pour obliger à faire l'hôpital ici. Il va trouver une situation. Il va trouver une situation. Il va trouver une situation. Il va ça. Et l'extension au l'autre bois, ça fait avec ça. Ça important. Les gens qui ont fait au l'autre bois, mais qui déjà arrêté l'autre bois. Est-ce qu'il y a tout pimpé Haïti? Il y a tout pimpé famille Haïti? J'ai offert le boulot là, il tout dit madame Lambert, on va pas mettre fonbosé. Vous comprenez? Oui, mais petit boulot Lambert, là. Bon. À part ça, donc faut que nous disions que on paquet lisse mon a fait des mettre deux à tous, c'est des fake lisse. Ouais, qui a cité des noms monde là dans lui. Ouais, donc Antan puisque c'est blanc qui a dirigé, c'est blanc qui a dit ça pour nous faire. Attention. Ouais, Antan. Oui, ben bon. Nations Unies. Que Antan même nous des monde c'est lisse pas, c'est chaque monde qui a fait lisse pas. Et les absolus tout pas connaît. Et nous avons sous cela, Nations Unies. Moi, bien dit, les Nations Unies peuvent sortir en liste. Ce n'est pas Canada, ce n'est pas États-Unis de manière séparée qui sortent en liste. C'est les Nations Unies. Donc, nous connaissons les Nations Unies comme organisation internationale qui regroupe un ensemble de pays et qui, eux-mêmes, depuis le Conseil de la Soutine, ils ont approuvé. Mm-hmm. Peut-être que ça a été tiré aux Julio, le bas au vote, mais la majorité n'a pas approuvé. Donc l'ISA l'a beaucoup plus long, il a bien plus de monde, il a plus de secteurs. Secteur politique, secteur privé des affaires notamment. Mm-hmm. Et jusqu'à présent, nous c'est politique à main. Il y a beaucoup de trois mains dans le secteur privé. Mm-hmm. Et mais dans le secteur privé, il y a même mise sur ce politique là. Parce que il y a des gens qui sont députés, sénateurs, mais c'est son monde dans le secteur privé qui est patron. Oui. Ouais, c'est lui qui a l'argent pour faire campagne et il est on vote à fait en bas, c'est moun sak pour aller pour dire mais qui est-ce qu'on a voté pour ou contre. Oui. Et il y a une première conséquence de ce que c'est que vous sentez le mouvement là où en font baisser. Mais maintenant pour lui, puisque c'est deux moun non cité parce que tu es connivence avec gang. Donc gang il continue à frapper là. Donc là, je me suis senti fait à son activité gagnant. Il continue à frapper parce que même il a besoin de faire. Gagnant, vous pouvez aller. Elle dit Babé, vous pouvez aller au Canada. Babé, vous pouvez aller au Canada. Peut-être un prochain. Babé, vous pouvez aller au Canada. Mais bon, vous pouvez aller. Vous pouvez alimenter. Mais vous n'avez pas de monde, ça n'a pas de possibilité de vous alimenter encore. Soit pour une raison pour bien l'autre. Mais même il a besoin toujours continuer à fonctionner. Ça yo fait soit yo voye enveloppe bay moun nan marché soit yo voye enveloppe bay entreprise ou bien moun ou bien non mais c'était toujours pratique yo c'était toujours pratique yo ça c'est faire des entreprises payer faire petit marchand ouais c'est ça pratique yo donc ça fait mal là c'est que gende moun ki nan liste ça là gende chef de gang qui parle déjà qui dit yo gen bon rapport avec yo moi nous on pas le citer. Pour mon bavin, je vais orienter l'opinion, mais n'importe les papas loi monter. Je vais annoncer une archive. Mon chef de gang qui mourit, monsieur a dit, mais combien de cobs vous bali pour le mettre bon parlement chaud? Et mais combien de cobs vous venez bali pour le décomposer? Il dit, qui est-ce qui bat le cob? Malheureusement, j'ai mouru. Je dis, non, j'ai Léonel Joseph. Sous bicentenaire. Et il y a nos sénateurs, il y a nos députés de cité. Basé ça, chef de gang, c'est l'évangile. Mais pour qui ça, c'est lui? Et pour qui ça, c'est yo? Et pour qui ça, c'est saldi? Toujours. Et quand c'est une dossier dans le pays, on met ferme confiance, même en vous poser des questions, vous avez une autre pas capable de donner. Pour qui ça, c'est toujours yo? Et ça fait moi-même, moi, t'as un bon procès qui fait autour de questions, ça yo. Pour une décision de justice qui rend public une fois pour tout pour dire ok si n'est pas volé ou c'est volé si c'est innocent c'est innocent mais pas qu'à gagner n'importe quoi qui passe dans le pays tout le monde est innocent l'argent détourné dans le pays c'est pas moi monde mourir dans le pays c'est pas yo gang dans le pays c'est pas yo
pays a crasé, c'est pas eux. Manifestation violente, c'est pas eux. Tout bagaille, c'est pas eux. Mais finalement, c'est qui est finalement, moi-même, si moi-même, Johnny Ferdinand, c'est moi. Donc ça, c'est dans la culture, nous tous. C'est pas eux. C'est pas responsable. C'est pas faute. Dans le pays, dans notre pays, eux-mêmes, les cafés action terroriste, ils ont revendiqué ça, ils ont fait. Pour ici, à Negado, c'est pas les mêmes. C'est nous pas jamais responsable, c'est toujours l'autre. Mais pas de problème, mais pas de danger. Ok, Saint-Louis, Saint-Lambert, Saint-Garibaudou, Saint-Hervé Foucan, Saint-Rony Célestin, Saint-Michel-Joseph Martelly, Saint-Laurent-Lamotte, Saint-Jean-Risse. Ok, on a regardé. On a regardé qui ça qui t'a fait. Canada, c'est demain, ils vont dire le week-end ça. 6-0. On a regardé qui ça qui t'a doué. Fait qui voit le gouvernement haïtien, t'as qu'à jouer dans le dossier ça, et qui voit la justice pays, t'as qu'à jouer. Nous gagnons M. Camille Oxius pour OCNH, et puis M. Arnel Rémy qui n'a pas le palakio. Bon, mais c'est avec M. Camille Oxius, bonjour. Bonjour, Guerrier. Bonjour, Ludwig. Bonjour, Ferdinand. Je salue tout le monde qui attend de nous matin. Donc, c'est un plaisir pour que nous répondions à l'invitation pour nous parler de nous sur le sujet que nous avons débattu là. Autant des sujets n'a pas débattu matin là, qui c'est décision au Canada, aux États-Unis prend contre une série de personnalités. Mais nous-mêmes, nous avons regardé là, comment dossier ça t'a rapatrié par Boïsite, puisque non seulement c'est pas un tribunal dans le pays Sahéo qui condamné monsieur, mais tout la justice haïtienne, gouvernement, qui rôle t'a joué dans rapatrier un dossier comme ça? Alors, réponse moi un matin, là, comme juriste et comme défenseur des droits humains, parce que, au niveau FNAS, plusieurs fois, nous faisons notre partie, nous écoutons l'autorité, parce que question insécurité, c'est tout le monde qui est victime de lui. Donc, je vous dis, si bien des actions qui a posé et pour identifier des gens, soit des otages qui participent, augmenter ou bien stimuler la question insécurité dans le pays, et quelque part, et nous, au niveau au CNH, nous avons intérêt pour que nous prenions des noms. Et de l'autre côté, et comme juriste, nous avons des débats qui ont fait tout son série de questions, il est important pour que nous prenions des noms. Alors, et dans ce qui a passé, hein, et nous sommes capables de dire, et nous tendons, et en plein monde, que nous avons dans l'islam, et puis nous avons commencé à défendre, soit, et dans la presse, ou bien à piquer les petits pouillots, les défendre. Mais nous-mêmes, nous pourrons aller plus loin que ça. Je dis, il y a plusieurs mouns qui ont intérêt, plusieurs groupes qui ont intérêt, et dans le dossier ça, pour qu'il y ait une lumière qui a fait sous lui. Premièrement, mouns qui ont mis nous sous liste, mouns qui ont sanctionné, et familles qui ont intérêt pour lumière capable de faire sous le dossier ça. Deuxièmement, il y a une population haïtienne qui est victime de l'insécurité, à côté qui a pris le monde, je dis, nous n'avons pas eu côté citoyen paisible, nous sommes prisonniers, il y a un monde qui perd de la vie, donc le monde a eu intérêt pour connaître qui est ce monde qui peut participer dans l'alimenter gang pour permettre que les victimes soient d'insécurité ou bien kidnapping, etc. Et troisièmement, tout, la communauté internationale a eu intérêt tout pour que nous suivions, en fait, pour que nous soyons effectivement, ce n'est pas méchanceté. Dans le moment où nous parlons là, messieurs, dames, le dossier est encore politique. Il est encore politique, c'est parce que les décisions qu'il prend là, c'est vrai, c'est le Canada qui prend, mais cependant, ce n'est pas une décision qui sortit dans un tribunal. Mais, vous-même, comme pays qui est indépendant, et gouvernement qui est indépendant, lui choisit, prend une décision en fonction de ça, lui vient en main comme élément de formation. Mais qu'on a qui ça qui nous fait? C'est ça que moi, je suis en tout à l'heure, je dis si la justice haïtienne encore existait, c'est avant le meilleur moment pour la justice haïtienne de prendre dossier, mais ce n'est pas prendre pour prendre, c'est prendre dossier et utiliser le ministère des Affaires étrangères. Et pour être capable de demander ça qu'il y a une enquête judiciaire. Et en enquête judiciaire, ça, c'est comme l'a dit John tout à l'heure. Donc à cette phase, le Canada qui prend une décision, et cette décision est encore politique, mais qui n'est pas judiciaire,
côté c'est pas dans un tribunal de grande décision, hein? Mais qu'on y a là, le Canada est capable et partager information ça y a ligué avec le gouvernement haïtien. Et à cette phase, la justice haïtienne tape en possession de l'information ça y a. Donc c'est d'abord la possibilité pour que moun sa yo yo mette nan yo nan lit la, pour te jouer une possibilité pour que soit défendu ou fait avis. En matière pénale, il y a les procédures accusatoires et il y a les procédures institutoires. Maintenant, dans la phase où nous voulons aller là, si nous disons que c'est la justice haïtienne qui doit prendre question en main et demander une entraide judiciaire côté et pays qui fait dénonciation ou bien qui sanctionne yo t'appelle collaborer pour partager cette preuve. C'est ça, moun sa yo dans procédure inquisitoire, moun sa yo en fonction de ça la justice capable gagner nan men yo, il va venir défendre yo dans une juridiction compétente, mais c'est pas dans la presse yo t'appelle venir dire c'est pas eux même ou bien yo pas connaît. Parce que je dis, même si vous marchez dans toute radio qui est dans le pays, même si vous passez dans toute télévision qui est dans le pays, vous dites que ce n'est pas vous, mais ça sans effet, parce que ce n'est pas vous devant un tribunal, vous avez dit que vous. Et nous-mêmes, c'est tout ça. Nous pensons que le gouvernement a doué prendre responsabilité. S'il ne veut pas que ce dossier a toujours été un dossier politique, côté pour chaque monde a une version de vous. Gouvernement a de prendre responsabilité et nous pensons même moun yo se nou yo tout yo pas doit seulement arrêter pour dire yo pral pote pet pote pet ki kote pral pote pet on pral pote pet pour Canada ki kote pral pote pet et décision qui est maintenant dans le tribunal d'Iran. Nous pensons même moun ta yo ta supposé faire plaidoyer bon côté le gouvernement haïtien pour que yo gouvernement haïtien lui mande en tête judiciaire là. Et une fois yo te bon voir ça, nous pensons que ça ta gagner des clarifications qui pote soit pour la population haïtienne, soit pour les gens accusés ou bien les familles. Nous pensons que c'est leur statut en lumière qui fait. Mais c'est comme ça, Abdine en radio, ce n'est pas moi. Ou bien c'est pour l'image. Nous pensons que ça va gagner une pièce, impact, ça va gagner une pièce, effet. Parce que encore, le dossier est encore politique, les conséquences sont politiques. Mais nous-mêmes, l'intérêt nous gagne, c'est l'intérêt pour que le dossier soit livré devant la justice. Pour que ce qu'il y a devant la justice, décision qui a rien, c'est la décision judiciaire, et laisse à nos pensées, et la baille de l'église. Petit coup d'il, cher maître, donc tribunal ou bien la justice pays qui mettait dossier au dehors pour qu'on saisit véritablement de dossier ça. Et là, entrée judiciaire n'a pas parlé à nous pour qu'on la donne. Est-ce que la justice en Haïti, par rapport avec ça, a saisi automatiquement de dossier? Eh bien, c'est ça nous dit, que dénonciation ça ou sanction ça qui c'est des sanctions politiques, mais qui ne sont pas menées non dans la voie judiciaire là. Parce que là, il y a des dénonciations, il y a des sanctions qui baillent. Maintenant, la justice, le gouvernement haïtien lui-même est au courant de ça. Lorsqu'on gagne, on ressortit sans qui acheter et taille dans un pays. Et pourtant, les gens jouent levé, qu'on s'en donne du bout, et l'État haïtien, ils ont posé sur le sous-caïsa, ou bien, ils ont coupé le visa, et décision, ils ont pris politiquement, ils ont gagné impact, et information qui a circulé, la justice haïtienne, l'humanitaire, ils prennent ça à cœur, pour que les faits travaillent. Donc, nous dit, lorsque nous dit le dossier n'est pas politique, c'est pas de nous dire, ni c'est vérité, ni c'est pas vérité, non? Mais côté nous-mêmes, nous avons une démarche institutionnelle, nous avons une démarche. Écoutez, nous disons pour aller vers la justice. Donc, si c'est encore le Canada qui seulement dit ça, oui, c'est une sanction, mais c'est total politique parce que depuis que nous avons posé une action qui est en contradiction avec la justice, maintenant, non seulement nous sommes capables, nous qui victimes, nous avons sacrifié les réparations civiles, mais pénalement, il faut que nous nous sanctionnions. Donc, même si toutefois, nous savons le Canada, ta monsieur Soulis là effectivement nous t'a participé dans bay moun zam et bay moun zam ça li tire en pile moun dans pays li fait en pile moun partir de pays il a en pile moun jourangé il fait en pile moun qui pas malade vin malade dans pays il fait en pile moun qui pas jamais dormi dans la rue a dormi dans la rue. Donc je dis question pas seulement en question de mettre moun dans Soulis et puis couper visa ou bien saisir de ta famille,
Mais pénalement, il faut qu'ils sanctionnent les gens. Et puis, on sanctionne les gens, nous avons une juridiction qui est compétente, qui doit prendre la question en charge. Et ça fait nous parler d'intégrité judiciaire. Maintenant, lorsque vous sanctionnez mon l'indice politique, on sanction politique, c'est parce que mon nom, l'Italien, puis sanction pénale, jusqu'à présent, saisi caillon moun, saisi bien moun, coupé visa en moun, dit mon nom, c'est baïza.